Good morning, Aleida Nessusra aujourd'hui, Elelo Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Batrina et Solovanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nazir, Perek Alef Mishnah Zain, Arene Nazir, Mikeminian Yemot Achama, Mone Nezirut, Keminian Yemot Achama. Amar Abiyuda, Mansehaya, Kevan Jeishlim, Met. Mishnah en apparence simple, mais en réalité, il va falloir apporter plusieurs précisions, sinon ça va être flou. Areni Nazir Keminian Imot Achama, je prends sur moi de devenir Nazir comme le nombre de jours d'une année solaire. Analysez bien la phrase. J'ai pas dit que je vais être Nazir pendant une année solaire. J'ai dit que je vais prendre une Nazirroute, ou donc une Nazirroute, d'être Nazir, comme il y a deux jours dans l'année solaire. 365 jours en l'occurrence. Mais mon intention, c'est quoi, d'être 365 jours nazir, ou plutôt de prendre 365 nézirut de 30 jours. Et réellement, moné nézirut keminyan yemot achama. Il devra prendre sur lui un nombre de nézirut, comme il y a de nombre de jours dans une année solaire, soit 365 nézirut, vous multipliez ça par 30. Et vous voyez à peu près combien de temps ça va durer. Ben, 365 mois, à raison de 12 mois, ça va lui durer pendant un an. Donc 360, ça va faire l'équivalent de 30 ans. Il a du travail, mais malgré tout, s'il est encore jeune, il aura l'occasion d'arriver au bout de ses peines. Sa peine ou son mérite, c'est peut-être un... D'accord? Donc ça, comme ça, il traduit, comme ça, selon Tanakama. Ok? Puisque ça correspond un petit peu, comme on a dit, ça dépend de Rebbi et Chachamim. Mais en tout cas... Donc, il a pris sur lui un nombre de nézirut comme il y a de nombre de jours dans l'année, donc 365 nézirut. Amar Rabbi Yehuda, sur ça, il vient Rabbi Yehuda, il nous dit une phrase qui est compliquée à comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire, parce qu'apparemment, il dit une phrase qui est bénigne complètement, et on va l'expliquer. Amar Rabbi Yehuda, il nous dit Rabbi Yehuda, Maïsaïa, il s'est avéré qu'il y a eu une fois une action, quelqu'un qui s'est passé, que quelqu'un a pris une nézirut pareil, comme le nombre de jours de l'année, Kevan Jishlim Met, et il est arrivé au bout, et dès qu'il a fini, il est décédé. Ouais, mais Barfa Dayanemet, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre exactement avec son histoire à Rabbi Yehuda? En fait, Rabbi Yehuda, il n'est rien venu nous apprendre, si ce n'est le fait qu'il manque une petite ligne, ou je ne sais pas si ça n'a pas été écrit, ou s'il fallait l'écrire, ou en tout cas, Rabbi, il a un autre avis sur la question, et Rabbi Yehuda, il vient exclure cet avis. En fait, il y avait deux manières de comprendre, comme le nombre des jours du soleil. Le nombre des jours du soleil, ça veut dire quoi, le nombre de jours du soleil? Le nombre de jours... du soleil, d'une année solaire, comme ça on a traduit directement, mais je vous ai un petit peu fait une petite entourloupe. On aurait pu aussi interpréter différemment, comme il y a, comme le nombre de jours du soleil, que le jour il brille sur la terre. Donc en fait, tu prends une éternité. Donc ça devrait être comme un nazir olam. Et c'est comme ça qu'en réalité, il y a l'avis de Rabbi qui pense, qui est rapporté dans la Gemara, qui pense qu'il est devenu nazir olam, parce qu'il est prêt sur toi de devenir nazir tant qu'il y aura le ciel qui montera sur la terre tous les matins. Tu n'es pas venu prendre une quantité de nazirut, mais tu es venu prendre une nézirut super longue, autant qu'il y a deux jours, où le soleil se lève. Donc tu as pris une nézirut olam. Sur ça, il vient Rabbi Yehuda pour nous dire, sache que non, c'est pas comme Rabbi qu'il faut dire, mais c'est comme ce que Tanakama de Shenu a dit. Car moi, j'ai connu une histoire de quelqu'un qui avait 20 ans, et qui avait pris sur lui une nézirut, et je me rappelle très bien, ça avait fait plein de bruit, ils en avaient parlé dans les journaux quand j'étais petit, que quand il était arrivé au bout de ses peines, au bout des 365 nézirouillot de 30 jours, imaginez, d'accord, ça fait l'équivalent de plus de 30 ans de nézirout, 30 ans et 4 mois, il a fini la nézirout, il a porté le corban, il est sorti du Beth Amikdash et il est mort, et ça a fait la une des journaux à mon époque, quand j'étais jeune. Comme ça, il nous dit Rabbi Yehuda, je me rappelle, Maïsaïa, je me rappelle qu'il y avait une histoire qui s'était passée, que Kevan Shishlim, il avait eu le temps de finir. Or, s'il a eu le temps de finir, c'est qu'il n'est pas nazir olam, parce que toi, d'après Rabbi, ça n'existe pas d'être nazir, de finir sa nazirut. Puisque selon toi, il est nazir olam, il est un nazir éternel, donc il ne pourra jamais finir sa nazirut. Or moi, je me rappelle très bien que quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, on avait beaucoup parlé de cette histoire, ça avait fait beaucoup de bruit, qu'il avait achevé sa nazirut, donc c'est une nazirut qui est achevable. Donc il a pris effectivement 365 nazirouyot de 30 jours, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'atzlacha, kol tuv sela.